Bon, ben on a pas mal renouvelé l'effectif cette année. Ouais, bah tu vois, l'année dernière on avait que des nuls. Et cette année on a que des nuls, mais c'est pas les mêmes. Putain, regarde même fils de pas comme il est chaud de ouf avec le Barça. Incroyable, on l'a vendu combien? Placement de jambe, là il est chaud, il marque et tout. Combien? Allez, on se remet au boulot parce que... On l'a vendu combien? Il est jeune, il a envie d'aller au Real, il lui reste un an de contrat et on nous propose une belle somme pour lui. Comment refuser? Exactement. Il est jeune, il a envie d'aller au Real, il lui reste un an de contrat et on nous propose une belle somme pour lui. C'est hors de question. Exactement, prends tes responsabilités déjà. Comment on va faire pour l'oublier quoi? On peut pas l'oublier, il est irremplaçable gros. Ça donne quoi nos nouvelles recrues? Gerson, formidable. Under, incroyable, quel homme. Et Conrad de la Fuente, pure pépite. On peut-être réussir à nous faire oublier... Tu sais, le mec qui vient de partir. Qui ça? Le mec qui est parti au Mexique, là, on vient d'en parler. Gignac? Bon, on va vendre Cornet, on va prêter Koné, Enrique, je t'en parle même pas. Donc notre seul défenseur gauche potable, c'est Bard, donc on le garde. Ouais, ouais, puis les jeunes, il a du potentiel, on va pas faire la même boulette qu'avec Gouiri. Non, non, non. Ah bah tiens, Yanis qui m'appelle, je vais les niquer. Allô? 3 millions pour Bard. Ouais, bon, 3 millions. 3 millions, ouais, y'a pas de soucis. Nickel. Nickel, et vous tombez bien parce que je vois qu'on a une offre pour deux achetés, le troisième est offert. Est-ce que ça vous intéresse? Au final, on a dépensé plus que Paris sur ce mercato, c'est la classe, tu vois. Ils ont Messi, on a Laborde. Ils ont Wijnaldum, on a Santa Maria. Ils ont Ramos, on a Abadé. Ils ont. La classe, on a le seum. Ouais, c'est une façon de voir les choses, oui. Et bah, c'est bon pour Laborde et Delors, ils sont plus au club. Moi, j'ai terminé pour l'attaque. Mais ouais, mais t'as terminé tout court, t'es viré. Putain, mais qu'est-ce qui m'a fait, quoi? Des Laborde et Delors. Hop. Valère Germain. Bah t'es viré. Aoulou, on l'a bien aimé, donc on le fait revenir. Gilbert, on l'a bien aimé, donc on le fait revenir. Gamero, on l'a bien aimé, donc on le fait revenir. Mon ex-femme, je l'ai bien aimé, donc je la fais revenir. Je peux pas ça, Michel. Je l'aime tellement. Et c'est bon pour Mendy, il rejoint le FC Zonzan. Yes. Beau gosse. Je suis sur Boateng là. Okay. Bon, faut vraiment qu'on recrute pour la Ligue des Champions parce que là on va pas y arriver. Ouais, enfin faut qu'on vende pour 100 millions, sinon on fait faillite. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que la Ligue des Champions? Est-ce que c'est pas un peu surcoté? Hein? Ah Alphonse, comment tu vas? C'était bien Fulham? Ah oui, c'était trop bien. Nickel. Hop, et tac, voilà ton contrat pour West Ham. Oh merci. Allez, bye bye et ciao. Salut. Ciao. Il est adorable Alphonse. C'est dommage, chaque année il passe, il repart, on prend pas le temps de discuter avec lui. C'est ça, pas un café, rien quoi. Bon et bah pour le choix de City, on a tous ces joueurs, tous ces jeunes joueurs. On a le choix entre lui. Donc on va prendre lui. Ok, donc ça, c'est la demande de prolongation de Valère Germain. Ok, je m'en occupe. Et ça, c'est l'option d'achat plus 1. Ok, nickel, bah je vais voir ça. La marche. Faut vraiment recruter parce que pour le maintien, ça va pas le faire. Bah ce qu'on fait, c'est qu'on lève l'option d'achat sur la fond, comme ça on a un bête de gardien. Ouais, ça c'est fait ensuite. On a plus de budget. Et bah tu vois, je trouve qu'on a fait un bon mercato. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Saliba et Guendouzi qui nous ont fait un cadeau pour nous remercier. Nous remercier de quoi? Là c'était nous ou Arsenal. Ah ouais bah putain ils auraient pu nous offrir quelque chose de mieux hein, je vous avoue. Bon si j'investis cette année c'est pour qu'on aille loin en Champions League. Oh, en Conference League vous voulez dire? C'est quoi? En Champions League l'année prochaine. Oui là nous cette année on va jouer la Conference League.